Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous présenter la Gretel Box du mois de janvier. Alors je vais vous dire ce que j'ai reçu. Alors à l'intérieur, nous avions le petit magazine avec des repas équilibrés à faire. Et nous avions des séances de sport à faire aussi. Donc la Gretel Box c'est 5 sachet LT qu'on prend tous les mois. Donc je vais vous dire ce que j'ai choisi. Alors, mon premier sachet, ce sont des amandes au caramel salé. Voilà. Le paquet, c'est un 115 grammes. Donc j'ai goûté. Donc je vais vous dire parce que j'ai tout goûté. Donc c'est une amande, comme ça, enrobée de caramel au beurre salé. C'est ça. Voilà. Donc très bon. Donc quand vous croquez, vous avez l'impression, au début, il n'y a que du chocolat. Et ensuite, vous avez la petite amande derrière. Donc, c'est très salé. Hein. Ça a le goût vraiment du caramel au beurre salé. Donc, si vous n'aimez pas, ne prenez pas. Voilà, donc c'est comme ça. Comme la taille d'une amande. Et c'est enrobé de caramel au beurre salé. Donc ça, j'ai trouvé ça très bon. Donc, voilà pour le premier sachet. Ensuite, nous avons un mix apéritif fumé. Donc, celui-là, c'est un 80 grammes. Dedans, il y a noix salée. De Kanjak et avec une saveur fumée. Voilà. Donc je vous fais revoir l'intérieur. Alors. Je vais essayer de vous en prendre dans ma main. Donc voilà. On a les amandes. Les noix de cajou. Les petites cacahuètes. Et à l'intérieur vous avez la boule croustillante qui est très bonne. Attendez, si j'arrive à vous l'attraper, c'est pas sûr. Allez, elle est là. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Voilà, c'est une boule croustillante, donc c'est très bon. Donc voilà pour ce deuxième produit qui est un mix apéritif fumé. Donc ça, c'est très bon aussi. Ensuite, nous avons des croquants en cappuccino. Alors, le paquet, c'est un 90 grammes. Donc, c'est une boule enrobée de cappuccino. Donc, ça reste vraiment le goût du cappuccino. Donc, si vous n'aimez pas le cappuccino, vous n'aimerez pas non plus parce que c'est très fort un cappuccino. Il faut vraiment aimer. Pour ceux qui aiment le cappuccino, ils vont adorer parce que vraiment, il est fort et intense en goût cappuccino. Donc, c'est une boule. Voilà. Une boule. Voilà, enrobé de cappuccino croquant. Ça, très bon aussi. Voilà pour le troisième sachet. Ensuite, nous avons les bananes séchées. Donc, le paquet, c'est à 90 grammes. Donc, ça, il n'y a pas besoin d'expliquer. Hein. C'est une banane séchée. C'est une banane séchée. Voilà, vous avez toutes les tailles. Ça, c'est une banane séchée. Voilà. Ça, c'est une banane séchée. Hein. Je ne vais pas trop expliquer. Voilà. Donc, ça, c'est très bon. Moi, j'adore. Petite banane séchée. Ça, c'est bon pour le matin. Petit déjeuner. Et nous avons en dernier un mélange de curry coco. Le paquet de 75 grammes. Donc, c'était un mélange de pois. Donc, c'est des pois enrobés de noix de coco et curry. Alors, j'ai envie de vous dire qu'on sent plus le curry que la noix de coco. La noix de coco, vraiment, non. Si on n'aurait pas dit qu'il y avait de la noix de coco, je ne le saurais pas. Parce que ça sent pas la noix de coco. On sent plutôt le curry. Donc voilà, donc ce sont des boules enroupées. Voilà, de noix de coco et de curry. Donc ça, c'est très bon. Moi, j'adore. Voilà. Donc ça, c'était nouveau sur leur site. Ça fait pas longtemps. Ça fait plus d'un mois qu'il y est. Voilà, ça fait plus d'un mois. C'est nouveau. Celui-là, il est nouveau. Le croquant cappuccino. C'est nouveau aussi. Le nouveau aussi, c'est les amandes au caramel salé. Elles sont nouvelles sur le site. Et je crois que le mix apéritif fumé est nouveau aussi. Et les chiffres de banane, moi ça fait longtemps qu'il est sur le site. Donc voilà. Donc ça, je vous recommande. C'est une très bonne box. Moi j'aime bien. Donc comme ça, vous pouvez manger, grignoter, sans que ça soit trop calorique. Voilà. En plus, sur les sachets, ils vous disent que, en fonction de, voilà, de combien de, voilà, si vous prenez 20 grammes de
de banane séchée, c'est 102 calories. Donc voilà, donc si vous équilibrez bien, vous faites attention à ce que vous prenez, et bah franchement c'est bien. Et comme ça vous mangez pas une surdose de nourriture. Donc très très bien pour la Gretel Box. Donc voilà pour la vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Merci et à une prochaine vidéo.